nous avons bien expliqué les deux variantes d'une façon détaillée. Vous avez vu que les travaux ont quand même duré. Ou même بعد بكل ديمقراطيه الجمعيه العامه وافقت على la variante numéro 2 qui a retenu l'attention de la grande majorité, parce qu'il y a eu deux personnes qui ont voté contre, si vous voulez, la variante numéro 2 et qui ont voté pour la variante numéro 1, et tout le reste des votants, à l'unanimité du reste, ils ont voté et ils ont adopté la nouvelle pyramide. Donc, à partir de la saison, Inch'Allah, 2020-2021, donc la prochaine saison, ça sera la variante numéro 2, Inch'Allah, qui va être mise en place. Et pour ce qui est des modalités d'accession et de rétrogradation, en détail, ils seront donc publiés juste après le bureau fédéral, une fois qu'on tient une assemblée générale ordinaire, qui m'a dernière fait chahar avril. Si jamais la fédération, pour une raison ou pour une autre, doit tenir une assemblée générale pour demander l'adoption ou là pour prendre une décision sur un point important. Ça veut dire qu'on n'a plus de possibilité. Si l'Assemblée générale extraordinaire ne le permet pas, certaines personnes qui lisent à leur façon les articles, on ne peut pas tenir une Assemblée générale extraordinaire. Ça veut dire que nous sommes ligotés, c'est-à-dire entre une Assemblée générale ordinaire et une autre Assemblée générale ordinaire, la fédération ne peut rien faire. Elle ne peut pas convoquer une assemblée générale extraordinaire pour délibérer sur un certain point. كانوا دو فاريونت ديسپونيبل الجمعيه العامه لي سوفران صدقت على لا فاريونت نيميرو 2. هذه راح تعود حاجه مليحه للفوتبول الجزائريه، كره القدم الجزائريه. اللاعب راح يزيد يطور روحه ويلعب كره قدم بزاف، هذه حاجه مليحه. نقولوا احنا السيستم القديم يسيت عارفه سي ليميت، خلاص الحق ما ينجبش يجيب حاجه جديده. دروك حنا نقولوا بالك ممكن بالسيستم هذا جديد نحاو ديجا يعني لا ليغ دو نحاوها بروفيسيونال دو اماتور وخلاو اون ديفيزيون اللي هي بروفيسيونال افيك 18 كلوب اللي ممكن هي كذلك تفيد لا ديفيزيون اون. يعني لازم تكون فرق منظمه خاصه من الجانب المالي، لان الجانب المالي هو اللي راه يأرق الفرق، لان احنا ما زلنا فرقنا نعتمدوا على امكانيات نتاع البلديه وامكانيات الولايه وامكانيات الوزاره، وهذه لازم كل الفرق هذه نتاع القسم الوطني تكون نخبه وفرق نخبه، لازم تكون عندها اكل شركات وطنيه، وهذا اللي لازم نروحوا ليه باه نقدروا نحسنوا كره القدم.